Alors l'USC7 est au Vabre aujourd'hui, dans quel contexte ? Eh bien, l'USC7, début 2014, a la prétention d'obtenir un certificat, une espèce de label de l'ONU qui confirmerait notre capacité à travailler dans le domaine du sauvetage des bléments et à rayonner de cette manière partout dans le monde. C'est pour ça que depuis hier, une partie du régiment est sur le pont et s'entraîne à cette échéance depuis déjà plus d'un an, mais il retravaille encore aujourd'hui et jusqu'à ce soir. D'accord, vous êtes sur plusieurs sites prêtés. On est sur plusieurs sites. Donc là, au Vabre, on est au niveau de ce qu'on appelle le poste de commandement et toute la zone logistique. Donc c'est ici que les décisions se prennent. Et c'est ici qu'aussi les personnels viennent se reposer, se ressourcer avant de repartir travailler sur les différents chantiers qui se situent sur la commune de Brugnolles, puisque avec toutes les conventions qu'on a, on a plein de petits sites qui nous permettent de travailler dans de bonnes conditions. Donc demain, avec cette certification, vous allez faire quoi de plus qu'aujourd'hui ? Alors, ce n'est pas ce qu'on va faire de plus, parce que nos compétences sont déjà reconnues. Haïti en 2010, c'est encore ressorti. Ce qu'on veut maintenant, c'est toujours sortir plus, toujours aider plus les autres et à l'international. Donc cette certification, qu'est-ce qu'elle nous permettrait concrètement ? C'est de sortir plus souvent, plus rapidement.